Good morgen, allez, Yidane et Susra aujourd'hui, le Lunish, Matra Yester, Bat Myriam, Israël Prezbun Fortuna, Echem Echel Ben Sultana. Si vous souhaitez vous aider dans la prochaine étude de Mishnah, contactez la sécurité éternelle. Nous étudions Masekha Shabbat, Perek Tetzain, Mishnah Vav. Nochri, Shabbat Echabot, En Omrim lo Kabe ve Al Techabe, Mipenei, She'en Shvitato Alehen. Aval Katan Shabbat Echabot, En Shomin lo Mipenei, She'shvitato Alehen. On continue à parler dans notre Mishnah des incendies qui se déclarent pendant Shabbat. Mishnah Aleph, Bet, Gimel, Dalet, on s'est occupé de savoir comment sauver les biens qui sont dans la maison, les écrits saints, les aliments, les vêtements. Après, dans la Mishnah Hey, on avait déjà commencé à voir comment éventuellement protéger, éviter que le feu se propage davantage, comment éventuellement provoquer son extinction. Et puis à présent, on va parler d'un sujet un peu plus subtil, délicat, un très vaste sujet dans Shabbat, c'est Amiral et Nochri. Il y a plein d'erreurs. Les gens connaissent très mal, personnellement je connais très mal l'Alakha aussi sur ça. Dans quelles circonstances on peut laisser un goy faire un travail pour nous, on peut demander à un goy par allusion de faire un travail pour nous pendant Shabbat. Et c'est de ça qu'on parle. Attention, on apprend de la Mishnah, on n'est pas en train d'apprendre l'Alakha. N'essayez pas de comparer et déduire d'une situation à l'autre, parce que les paramètres qui interviennent sont très subtils. Et je commence pour le moment. Nochri Sheba Lechabot. Un goy qui vient éteindre. Donc il y a un incendie qui s'est déclaré. Il n'y a pas de risque de mort d'homme, bien sûr, c'est que des pertes d'argent. Et il y a un goy qui voit ça, il est plein d'entrain. Il va chercher de l'eau, il commence à tout éteindre. La Mishnah me dit « En omrim lo kabe ve altechabe ». Je n'ai le droit de lui dire, ni je lui dis « éteins », ni je lui dis « n'éteins pas ». C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de le stimuler à éteindre, et je n'ai pas besoin de l'empêcher d'éteindre. Parce que s'il vient éteindre, je peux le laisser éteindre de lui-même. « Mipnei she'en shivitato alav » parce que tu n'es pas ordonné de faire en sorte qu'il ne travaille pas le Shabbat, étant donné que c'est un goy externe. C'est pas comme ton esclave ou ton enfant que tu n'as pas le droit de faire une melacha par lui. On va tout expliquer, mais d'abord je finis la Mishnah, comme ça on pourra comparer mieux les cas. Aval katan sheba lechabot, par contre, si un petit enfant qui vient éteindre, donc un enfant qui n'est pas imposé des mitzvot de la Torah, le fils du papa, il voit sa maison qui est en train de partir, il va chercher de l'eau. Là, en shomin lo, littéralement on l'écoutera pas, c'est-à-dire on le laissera pas faire, il faudra l'empêcher d'éteindre. Pourquoi? Mipenei sheshvitato alen, parce que tu es ordonné de veiller à ce qu'il veille le Shabbat, à ne pas faire de travail par son intermédiaire. Et là, on explique un petit peu mieux de quoi on parle. De manière générale, vous avez déjà entendu parler du problème de la shlichut dans la Torah, pour envoyer un émissaire pour faire une avera, pour faire une mitzvah, pour faire toutes sortes d'actions. Il y a, spécialement par rapport à l'interdit de Shabbat, alors, il y a un interdit de shvut. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de provoquer qu'un goy va faire une melacha pour moi. Je n'ai pas le droit de l'ordonner, en fait, de faire. C'est comme ça que c'est expliqué dans Rashi. Les petites nuances, c'est le principe, il est là. Je n'ai pas le droit directement d'activer un goy pour qu'il fasse un travail pour moi. Directement, je n'ai pas le droit de le faire. Mais, j'ai le droit... C'est-à-dire, mais premièrement, s'il vient de lui-même éteindre de son propre gré, là, il y a marqué dans la Mishnah que c'est permis. En cas de perte d'argent... qui vient de son propre gré, même mieux que ça, la Gemara le précise, j'ai même le droit un petit peu de stimuler en disant « Tout celui qui va éteindre ce feu, il en aura pour son compte. Il aura gagné plein de choses. » Et la Mishnah et la Gemara me dit en fait, j'ai le droit de le faire, pourquoi? Parce que le goy, au moment où il va venir éteindre le feu, il ne vient pas l'éteindre pour moi. Il vient l'éteindre pour lui. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsqu'il va éteindre le feu, que je vais le récompenser ensuite. Donc du coup, lorsqu'il va venir éteindre le feu, c'est pas qu'il est en train de le faire un travail à ma place. S'il venait faire un travail à ma place, si c'était certain, je n'aurais pas le droit de faire le travail pour lui, pas par son intermédiaire. Mais on aura l'occasion d'en reparler d'ailleurs à la fin du chapitre, qui est la prochaine Mishnah, dans Mishnah Chet, on aura l'occasion encore de reparler de Amiral et Nochri, ça s'appelle. Il y a des gros livres qui ont été écrits entièrement sur ça, pour définir exactement quels paramètres, dans quelles circonstances oui ou non. En tout cas, le principe, là pour le moment, retenez le truc. Si je le stimule à agir, il agit pour moi, c'est interdit. Si il se stimule de lui-même, alors là, il faut faire attention. En théorie, s'il venait de le faire pour me faire plaisir, ce sera sourd. Et c'est ce qu'on verra d'ailleurs quand on arrivera dans la Mishnah Chet. Mais s'il vient faire quelque chose, pas pour me faire plaisir, mais pour lui-même, parce que lorsqu'il va éteindre, il sait pertinemment qu'il va toucher un petit billet, conséquent, pour lui, ça vaut le coup de le faire,
il ne le fait pas pour mes beaux yeux, il le fait pour sa poche, c'est parfait. Il le fait pour lui, et je peux le laisser faire, j'ai pas le droit de le stimuler. La Gemara précise, comme je dis, je ne sais plus si j'ai les yeux ou pas, j'ai même le droit de stimuler les goyim en disant « Tout goy qui va venir éteindre, et non mafsid, kol amechabe et non mafsid, tout celui qui va éteindre, il ne va pas perdre, il sera bien content. » Tant que je ne l'ai pas dit activement de le faire. Par contre, si toutefois c'est un enfant qui vient transgresser une avéra pour moi, alors un enfant qui vient une avéra pour lui-même de manière générale, j'ai pas besoin de l'en séparer. Éventuellement, s'il va manger katan ochen levelot, c'est un peu plus délicat, on l'avait déjà évoqué à la fin d'un chapitre, je sais plus, chapitre tête peut-être, s'il mange des choses interdites, qu'il faut l'en empêcher. Mais là, on parle que là, il y a un enfant qui vient éteindre de lui-même. Si un enfant il s'amuse à allumer un bouton, il n'est pas en âge de chinour, un enfant de 2 ans qui ne comprend rien, Shabbat, pas Shabbat, pour lui, il y a un bouton qui fait clic-clac, il allume et il éteint la lumière comme ça, en théorie, on n'a pas de devoir de l'en séparer. D'accord? On n'a pas le droit de stimuler à faire. Il y a plusieurs interdits dans ça. Pour ce qui en est de la Mishnah, là, on parle d'un enfant que quand il voit la peine de son père, il va partir agir pour lui. Et là, alors là, c'est considéré comme si c'est le père qui lui demande de faire, et là, c'est bien interdit. Ok? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Comme tout, ça va.